m'intéresser à tout ce monde du naturel. Je suis passée au 100% naturel, à lire les étiquettes et apprendre moi-même à formuler. Donc, d'une formation plutôt de langue et d'administration, je suis passée à la formulation cosmétique avec un DU de formulation cosmétique, des formations en cosmétique naturelle et en réglementation et en aromathérapie. Et donc voilà, ça fait maintenant depuis 2014 que la société tourne et que nous avons créé d'un petit pot de chantilly, on a créé toute une gamme pour les cheveux, visage, le corps et des savons. Au-delà de la fabrication de cosmétiques, le fait d'être un petit laboratoire, nous avons aussi la possibilité de créer des cosmétiques pour d'autres marques si on le souhaite, ou éventuellement de partager notre expertise sous forme d'ateliers ou de formations. Et là, cet été, après avoir fait des formations tout au long de l'année depuis le mois d'octobre, nous allons proposer une quinzaine de jours en juillet, une quinzaine de jours en août, des ateliers DIY, pas seulement en cosmétique, mais également dans d'autres domaines qui nous touchent aussi et dans lesquels nous partageons notre expertise avec des partenaires.